Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Crusader Kings 3 dans lequel nous jouons la France, l'Empire français. Alors on s'est arrêté sur la revendication des territoires de Sardaigne et sur un beau bordel un peu partout. Qui es-tu? Non, je ne te connais pas, tu ne m'intéresses pas. Ah! Ah oui. Maître de chasse et vassal et prisonnier. C'est pas lourd ça. Hein. Allez, on va chercher. Alors, j'ai le nom. J'avais le nom en latin. Cagliari. J'avais le nom sur Rome 2, mais là, je l'avais totalement zappé. Je n'avais plus du tout le nom en tête. Cagliari, très bien. On va faire un petit tour des villes au cas où elles aient... Non, il n'y a rien à faire dessus, ok, bon. Ah oui, mais il y avait un autre truc que je voulais voir. C'était... C'était ça, hein? Qu'est-ce qu'on avait pris déjà? Prérogative royale, ouais. 18 ans. Oh, avec un peu de chance, il sera encore en vie, 18 ans, lui. Vous pouvez débloquer un nouvel atout. Garde prétorienne, ça c'est bien. Garde prétorienne. C'est d'amitié, je m'en fous. Prestige mensuel par les chevaliers, plus 2%, ce qui fait que là on est à 4, plus 39,2. Qu'on arrive à 43,4. Ah ouais, quand même. C'est pas mal. Hein. Ils sont où les ennemis? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De ça. Bon. Je sais pas, ils ont pas pris la mer pour aller là-bas non plus. Putain, c'est original ça. Bon bah c'est pas grave, on va dispatcher un peu tout le monde. Alors je voudrais juste voir... Commandant vous, ok. Pourquoi prendre ça parce que moi j'ai des unités de siège et, au niveau... Je vais l'utiliser pour prendre la capitale. Qui est en 3. Oh, ça va, elle est pas trop défendue. 325 en défense. Royaume de Sicile. Très intéressant ça. J'aime beaucoup le concept. Royaume de Sicile, ce qui est pas en Sicile, mais c'est pas grave. Ah oui, on attendait des petites revendications sur Cornouailles, je crois, ou Devon. Devon. Après partir en Angleterre, aller choper ça. Oui, il y a bien un moment où ça va venir. Je sais pas quand, mais ça viendra. Oh la vache. Oh non, là, il est vénère. Je sais pas qui sont là, mais... Ah, mais d'accord, c'est le... Ce sont des mercenaires, je crois. Très bien, très bien. Le Siriki est maintenant un combattant expérimenté. Qui es-tu? Je ne sais pas. Ah, en effet. Je vais le recruter à la cour, lui. Il a une bonne attaque. Il pourra me servir de chevalier plus tard. Succession. Oh! Ça y est! Ma femme est à nouveau enceinte. En espérant qu'elle ne meure pas en couche. Moi qui me donne un gamin avant, ça serait bien. Margarita, qui es-tu? Je ne peux même pas quitter. Hôte. Ok, bon. Ça ne m'intéresse pas. Ouais, un paquet d'hameçons, forcément, à l'idylle. Je sais pas qui c'est à l'idylle. Quoi? Ah ouais? Ils foutent là-bas et comment pourquoi j'ai... Ah mais si, c'était un moment où ils avaient chopé un petit territoire là, je sais plus exactement où, mais... Ouais, en effet, ouais.
Ah, ça y est, il a décidé de recruter des troupes. Bah, il se barre direct en mer, il a tout compris lui. On ira, il va pas avoir trop de choix. Il va en Corse. Revendication sur le duché de Gilliers. Ouais, ok. Tu te le dis. Allez, va défendre Bonifacio. Ok, j'ai appris la langue saxonne. Parfait. J'ai des actions contre. J'ai des hameçons contre des mecs qui sont en tôle, qui ont expiré, tout bien. Ok. Ah, j'en ai une autre là, tiens. Je l'ai pas vu. Oh, j'ai saisi une petite sculpture religieuse, bref. Pas très intéressante tout ça. Oh, quelques prisonniers, c'est sympa. Là, lui, il a compris qu'il avait à se barrer très très vite. On va aller le choper, l'intercepter. Ouais, mais ça sert à rien, on a mis un. Je vais quand même te choper avant que tu prennes la mer. Embarquement, ça se fait pas de suite, ça se fait pas comme ça. Alors. Bonjour, bienvenue à Ajaccio. Il se défend bien. Le fut dérobé. T'inquiète. Fornicateur. Tu as mon pardon. T'as gagné, j'ai rien. Ouais, ça a fait tant de prisonniers que ça. Pas fou. Adoshina, l'épouse de mon fils héritier Damien nous a quittés. Tous ses plans soigneusement confiés ont été anéantis par l'élan capricieux de la mort. Bien qu'une telle plainte puisse paraître dérisoire à ce vouloir de la famille. Merde, mais c'était qui ça? Mélancolique, infirme, sans appétit. Ah ouais, bon, voilà. T'es marié un peu au premier venu, toi. Bon, bah, reposer en paix. Pour une fois, j'y suis pour rien. J'ai ma revendication. Mon héritier n'est pas marié. Il va falloir que je lui retrouve une autre épouse. Basque, non. J'ai déjà les terres, donc ça m'intéresse pas. Grec, française, Saint-Gilles, Chartres, Sarrasine, Saint-Gilles, Franconienne. Oh, ça peut être intéressant. C'est quoi ça? Non, non. Non, hélas. Comté de Luc. C'est où Luc? C'est pas en Italie ça? Ah oui, voilà. Luc? Je suis ton père? Non, c'est pas ça. Merde. Armagnac, etc. M'en fous. Catalane, ok, bavaroise. Peut-être intéressant.
C'est Bohème, ça, c'est pas Bavière. Oh, la Bohème qui s'est bouffée par la Bavière? Ah ouais? Merde. Valaque, non plus. Hollandaise. Hmm. Ça peut être intéressant. Elle est où? Ah, c'est une... Non, bah non, non, non. Valencé, Vif, Souabe... Castillane. Oh. Ouais, non. Pas plus de revendications que ça. Cité, je m'en fous. Catalane. Cité d'Andorre. M'en fous. Cynique, on va quand même le marier avec d'autres gens parce que ce serait pas. Non, Bulgare, non, trop loin. Géorgienne, donc. Bavoire, Oise. Cité encore. Oh, c'est triste, comté. Ah, mais non, Géorgie, c'est loin. Cité, cité. Ah, oh, pas ouf. Là, ça peut asseoir un peu ma domination dans le coin, mais. Physique avenant, allez. Mélance avec qui? Je sais pas du tout. Je vois pas où c'est. Montre-moi où tu es. T'es par là. Ouais. Non, bon, on va aller sur les bons vieux basques, hein. Hop, là, 31 ans. Jordan qui résiste un peu, hein. Ok, on a un mariage, du coup, on a une alliance. Une faction a été dissoute contre vous, présence militaire sur le comté de Majorque. Comment il a réussi à passer là, lui? Ah, il était en fuite, du coup, j'ai pas pu l'intercepter. C'est pas bien grave. Et on aura notre prochaine cible avec Cornouaille. Ma fille, oh! Ma fille, ma fille, ma fille, j'avais Victoria, j'avais Jade. On va maintenant faire naître Evie. Puissiez-vous devenir fort? Et sage, ma jeune fille. Oui, il va essayer de reprendre ça. On verrait cette troupe avant. Tu ne reprendras pas Tortoli. Ah, ça c'est bientôt fini. Mais on a eu, ouais, 230, allez. Et tu enchaîneras directement. Ah bah c'est bon. On peut appuyer les exigences. 15 mois de guerre. Ah quand même. Hop. On appuie les demandes. On disperse. Oui. Alors. Forcément, déjà, hop, on va rançonner. On va créer le royaume de Sardaigne. Ça coûte cher. Et celui qui en sera le dirigeant, ça sera le comte. Il n'y a pas un duc là-dedans? Ah si. Ça va être le duc de Cagliari. Donc ce sera le comte Gublenu de Logudoro. Trouver là.
Ah, il est là. Il était long, hein. Hop. Et je vais lui filer le royaume à... Ma petite fille qui vient de naître, non, je peux pas. J'aimerais bien la trouver et lui filer ça comme ma fille. Voilà, un de mes petits-fils, ou quelque chose comme ça, quoi. Qui n'est pas déjà un titre, bien évidemment. Ah bah non, il n'y a personne. C'est fou ça! J'ai eu si peu de descendants que ça? Ah! Notre petit-fils. Voilà. Titre: comté de Vendôme, comté de Brie, comté de Baronnie, Baronnie. Oui, on va lui filer ça. C'est un peu bizarre, mais c'est pas très grave. Hop, allez, point de ralliement, nouveau point de ralliement à Cherbourg. On rançonne. Ouais, d'accord, j'ai pas de ville à moi. C'est bon. Et on va préparer le petit débarquement, même si c'était plus parti du nord de Caen. C'est pas bien grave. Vous pouvez créer le duché de Basse-Bosnie? Comment ça? Ah oui, d'accord, il a conquis des terres! C'est trop bien ça! Qui le mérite? Qui le mérite? Qui le mérite? C'est celui qui est là. Merde. Le comte Loustianos de Rama. Ah, ça conquis bien là-bas. Hein. Loustianos de Rama, Loustianos de Rama. Il faudra qu'on venge notre gamin aussi. Bayou. Je l'ai passé. À moins qu'il soit tout en bas, ce serait vraiment pas de bol. J'ai dû le louper. Ça fait beaucoup de loupés là quand même. Alors, ouais, je me suis pas trompé, hein. Ah si, je m'étais trompé. Merde. Comment ça, c'est genre Empire Byzantin. Mais non, mais je suis con. Duché. Ah oui, effectivement, c'est pas chez moi, ça. Alors, c'est... Ok, je suis en duché, là. Non, duché, c'est où? Ok, mais c'est quoi là? Ah, c'est là! Ah oui, non mais d'accord, c'est pas mon... c'est pas mes territoires en plus. Ah, c'est couillon!
Et bah ce sera toi, là. Comte Gaspard. Mojanik de Donji Kravji. Voilà. Maison Domagojevic. Allez. Domagojevic. Oh purée, il y en a deux. Terrible. Je crois que c'était celui-là. Ouais, c'était celui-là. Hop. Voilà, en plus t'es jeune. Parfait. Mes secrets sont de lourds fardeaux dont je peux me défaire. Si je les partageais avec quelqu'un, il serait peut-être humain. C'est certaine que la reine me comprendra. Que ma reine me comprendra, j'en sais rien. Vous me donnez un de stress. Non, pas besoin. Alors, direction Cornouailles. Est-ce que je peux... Revendication... Ah, juste un seul. Je vais proposer la... Sérieux, ça a acheté une revendication. Je suis obligé d'acheter la revendication alors que je l'ai faite, quoi. Ah, terrible ça. Parce que sinon j'avais pas le royaume en entier. Le royaume de Cornouailles, allez hop. Direction des vents, la baronnie Dexter. Avec votre beau fils. Il veut pas. Oh mais bah attends. Oh, le duché de Kent, il vient les aider. Ok, si vous voulez, les gars. Si jamais ils viennent. Je l'en foutrais plein la tronche. Tiens, toi, tu vas m'aider. Tu sais quoi? Comme ça, c'est chacun son côté. Mon cher mari. Ça, c'est un couple. Ça, c'est un bon couple. Un bon territoire avec les deux, là. Ah merde, empereur aux paysans de haute noblesse. De basse extraction, peu importe. Enfin, de quoi nous sommes que de simples mortels. C'est ce que je me suis dit plutôt ce matin, alors que je me suis réveillé avec de la toux, une douleur sourde. Laissez-moi, c'est un rhume, un gros rhume, c'est bon. Ne va pas essayer des choses cheloues qui vont plus faire de mal qu'autre chose. Heureusement qu'il a appris de se laver les mains, lui, hein, parce que. Et ça, il tombe malade, j'imagine pas s'il se lavait pas les mains. Oh là là. Ok, on a embarqué. Un marchand de semences. Herbe médicinale. Plus de pitié. Des fleurs impressionnantes de prestige ou courtisane. Cultive des plantes vénéneuses. Petit bonus résistance à la maladie. Bah tiens, c'est quoi? C'est parfait. C'est cher. Mais c'est ce qu'il me faut en ce moment, vu qu'il est malade, mon roi là. 69 ans, ouais, quand même. Le passage de tabac. C'est qui ça? Bon, oh, il peut devenir paranoïaque, je m'en fous, c'est pas mon. C'est pas un de mes gamins. Il peut mal tourner. C'est pas un problème. Oh non, bah, je venais de le recruter, il est déjà mort. Il est pas ouf, hein. Autant se débarrasser d'un faible. Ok. Bah je vais prendre une partie de métro. Allô? S'il vous plaît, je peux cliquer sur merci. Je vais le réveiller là. Une bonne victoire. Là ici, promouvoir la culture, ça se fait petit à petit. Une faction qui me ciblait a été dissoute.
Impeccable. Ah, il y a deux baronnies là, l'une à côté de l'autre. Okay. Bataille là. Impeccable, on a fait quelques prisonniers. Vas-y, remplis le banane du Bronique. C'est où? Ouais, bah oui, je reprends, allez. C'est à moi. On s'étend bien dans ce coin là quand même, hein. C'est pratique, hein. Le comte Ursus de Raguse, tu veux devenir le duc? C'est dommage qu'on puisse pas chercher par nom, enfin, je crois pas, hein. Ursus de Non, on peut pas, pardon. C'est dommage. Alors, accordé là. Je n'irai pas recommencer par le bas, moi, un jour. Vous trouverez plus vite. Voilà. Voilà, on a grandi, ça s'agrandit tout seul, hein. J'ai rien fait ici. Hein. Ça, c'est parfait. L'action contre vous a été dissoute. Ça, c'est parfait aussi. Là, il y a des sièges par ça maintenant, on s'en fout. Ah. Allez, petit piblou, ouais, c'est pas important. Alors, votre voisin, hein, et, ok. C'est un chefferie de... Ouais, on s'en fout des chefferies, c'est nul. Ah, petite chefferie en Suède, c'est nul. La Suède qui fait du beurre, mine de rien, ils sont pas mal. Hein. Il revient, lui. Allez, il revient. Comment ça, de défenseur? Nous sommes informés qu'un chasseur s'est fait remarquer à terrain local. Il y a de grandes quantités d'or. Il a dépensé de grandes quantités d'or en se vantant d'une grande affaire qu'il venait de conclure avec un seigneur portant des bijoux de soirée. Il a dressé une carte de la région pour le comptable de ce noble dont il ignore l'identité. Mes espions pensent que ce seigneur comporte contre moi ou un de mes sujets. Et 30 en redoutabilité. Un complot hostile est découvert. Amenez-le moi. Je pense que je peux lui rafraîchir la mémoire. L'existence d'un complot concernant un... visant à m'assassiner moi. Moi? Et qui en est donc à la tête? Qui est à la tête de ce complot là? On le sait pas, dommage. Moi qui suis un bon empereur, quelle idée. J'ai jamais fait de mal aux gens de mes terres. Bah, c'est peut-être justement quelqu'un qui est pas de mes terres. Maintenant que je le dis, vous avez perdu le très malade. Oui, je suis content d'aller de nouveau bien. Eh ouais mon gars, 70 ans, bientôt tu pètes la forme. Ouais, t'es fait prisonnier, ok. Là, à la capitale bientôt, ça devrait être bon.
quand je dis bientôt. Gardez-moi ce bel empire. Il faut encore qu'on aille récupérer la Navarre, hein, parce que c'est pas normal. Je comprends même pas qu'ils aient encore le droit de s'appeler royaume. Hop, 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 on a pris le gamin du roi. On appuie nos demandes. On a le petit royaume de Cornouailles. On disperse tout. Je vais lui redonner, hein, de toute façon, moi ça me sert pas. Hein, donc, toi, le Earl Dumnrat de Abrica de Cornouailles. Même si tu m'aimes pas, tu vas reprendre, je m'en fous. Tu vas apprendre à m'aimer. Surtout que je le laisse parce que, bah, étant local et ayant bien géré ses terres pendant bien longtemps, il sait comment bien gérer ses terres alors que moi j'en sais rien. Je sais pas comment sont ses terres. C'est pas lui ça. C'est lui. J'ai dû avoir le frère ou un truc comme ça. Allez, on va rançonner tout le monde. Je vais juste voir. Ok. La vache. Allez, rançonner en masse. On soit accepté, on soit accepté. Parfait. Et quelques hameçons, toi, hop, putain. À Vannes? Attends, mais Vannes, c'est où? Comment ça? Pourquoi ça me dit à Vannes, j'ai gagné des trucs, j'ai fait des trucs? Je sais plus où c'est, moi, Vannes. Hein. Ah, si, c'est là. En Bretagne, je suis con. Oui, bon. Ouais, d'accord, hein, je peux pas... les construire ça, ouais, je sais pas, les bourgs fortifiés. Ok, van, j'ai totalement zappé que j'en avais lancé. Bon. Oui, la reine est une reine, tiens, c'est marrant ça. Oh, je chope des revendications au jour. Ah, il a pris ça, dommage. Je vais faire une revendication. Non. Quel dommage. Et là, on n'est pas voisin, il me dira non. Danemark. C'est comme là, hein. C'est quoi qui pose problème? C'est Seigneur Lige. Acceptation culturelle. Ouais. Non, mais dans tous les cas, il faudrait que j'aille là. Il a beaucoup d'alliés. Il y en a moins. Il y en a beaucoup moins d'un coup. Et que je lui apprenne de ne pas tuer mes gosses. Ça va être ma prochaine cible. Allez, c'est quoi? Hop. Merde. Je la fais à chaque fois à la bourde. Pardon? Ah oui. J'avais vu Cherbourg. J'étais pas serein là. Quand j'ai vu Cherbourg là. Invitation à la chasse. Ah tiens, ça fait longtemps. Donc ça. Je pouvais. Oh, sympa.
Oh, c'est vraiment pas loin. Un peu déçu hein, par le coup. Bon, bah, j'ai des mercenaires quand même. Personnaliser l'itinéraire, Rouen. Un endroit où je peux passer avant. Ça commence en mai. Oui, regardez-moi ça. Février. J'ai de quoi visiter du pays, hein. Mars. Là, ça risque d'être gourmand un peu. Avril? Oh, quoique. Regardez-moi ça. Et sur le retour, passons par là. Avoir le mur d'Adrien. Pas le détendre, on allait venger son fils. Voilà. Allez, j'arrive. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous propose de me retrouver bah, très bientôt, comme d'habitude, pour le prochain. Une belle balade. Allez, c'était Tiob.